finale. L'objectif, poursuivre ce beau parcours et décrocher un billet pour le dernier carré. Quelle aventure! Elle a été longue, cette épopée. Ça semblait tellement lointain au tout début des éliminatoires. Et puis, petit à petit, ils ont avancé. Ils se sont qualifiés. Et les voilà désormais à 3 petits matchs du titre mondial. Le Graal leur tend les mains. On a tous entendu les déclarations les uns et des autres. Ils n'ont pas du tout, mais alors, pas du tout envie de s'arrêter là. Aucun doute, le Mineirão est le plus grand stade de la région et il faut reconnaître qu'il a un certain charme. C'est l'heure de l'hymne du Brésil. Encore exploité tout son potentiel. Ce sont les mots de son sélectionneur qui a rajouté que c'était à lui de trouver des solutions. Oui, je pense que les entraîneurs font tout leur possible pour que leurs joueurs restent concentrés et imperméables à la pression. C'est compliqué dans ces genres de compétition, surtout quand on joue une place en demi-finale. Et on rentre dans le vif du sujet. La passe est précise. Salif Sané. Bien, la profondeur. Voilà une bonne occasion de contre. Idrissa Gueye. Quelle passe. Non, il est signalé hors jeu. Arthur qui a de l'espace. Il a stoppé l'attaque adverse. Il tente de la jouer dans l'espace. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Peut-être une occasion pour Dieng. C'est joué dans l'espace. Il peut frapper. Et c'est au fond, au but. Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. Et oui, tout repose sur la détermination. C'est ça, les grands joueurs. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises, quand même. Voilà le match définitivement lancé. Roberto Firmino. Arthur. Alan, il cherche son coéquipier. C'est bien fait, ça. Ça joue long vers l'avant. En retrait pour repartir proprement. Koulibaly. Idrissa Gueye. Bon service dans la profondeur. Il y a peut-être un coup à jouer. Un coup de sifflet, ce sera une faute. Ça pourrait être une sanction administrative, mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. Il y a vraiment eu une mauvaise communication entre les défenseurs, là. Il ne faut pas se mettre dans de telles situations. Ça vous met en difficulté. Frappe directe. Bon ballon. David Neres s'est joué dans la profondeur. Va-t-il en profiter? Allez jusqu'au bout. On a failli voir un but magnifique. Le ballon était parfaitement dosé. Si seulement le tir avait été aussi bien maîtrisé.
Sané, c'est osé. On voici Niang. Thiago Silva, qui est récompensé de son pressing. Bien servi. Le duel engagé, c'est un exercice qu'il maîtrise. Oh, le bon ballon. C'est bien donné. Le bon dribble. Le ballon dans la cour. Oh, la frappe. Sur la gauche. Ça peut partir en contre. Oh, voici Niang. Mané. Il a de l'espace. Il est passé. Dans l'axe. Énorme occasion. Quel but. Il croque maintenant l'avance de 2 buts. Quel enchaînement imparable pour le gardien. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. C'est bien d'avoir fait le break comme ça. À 2-0, on respire un peu mieux. Le bon dribble. La longue passe. Oh, Niang. Oh, quelle parade d'Alisson. Super timing à la limite du hors-jeu. Dans la profondeur. La passe dans l'axe. Mané. La passe dans la profondeur. Il est bien placé. Oh, il y avait danger. Neymar qui a un peu d'espace. Dans la profondeur, bien vu. Il y a peut-être un coup à jouer. Il tire. Il avait fait le plus dur pourtant. C'est dommage, c'était très bien fait pourtant. Ce sera le premier corner du match. De la tête. C'était presque au fond. Quelle occasion. Mané. Salif Sané. Attention avec les tacles. Peut y aller. Oh, quelle parade d'Alisson. L'arbitre signale une faute. Marquinhos, Alexandro. C'est joué long, attention. Neymar. Neymar qui... Et la tête. Le timing était bon, le placement était bon, tout était bon sauf le dernier geste. Le Brésil profite de leur faiblesse sur les ailes. Remarquez, leur axe n'était pas brillant non plus. Ils s'en sortent plutôt bien, je dirais. Qui a donc offert un but à son coéquipier. Ça joue long. Mané. Bien servi sur le côté. Encore une bonne lecture des défenseurs sur ce centre. C'est joué long, c'est dangereux. Cette attaque n'a pas pu se développer. Il décide d'allonger le jeu. Alexandro qui récupère ce ballon. Il cherche la profondeur. Oh, c'est bien fait. Il a pris tout le monde de vitesse. Il tente sa chance. Joli tir, ça méritait d'aller au fond. Eh ben, dis donc, c'était chaud.
Sabali. Mané. Il allonge le jeu. Sabali. C'est joué long. Mané. Reçoit le ballon. Il s'impose physiquement dans ce duel. Oh, il fallait l'oser ce tacle. Mané. Le bon dribble. Salif Sané. Salif Sané qui veut se projeter. Attention, la frappe! C'était bien joué, il faudra juste être plus précis après la pause. L'arbitre siffle le coup d'envoi de la seconde période. Finalement, ils n'ont que 2 buts de retard. S'ils arrivaient à marquer rapidement, ça pourrait tout changer. Vous allez voir. Il est passé. Ce contre peut très bien aller au bout. Frappe ! Et le cadre se dérobe largement. C'est allé très très vite. Dommage qu'il n'y ait pas but derrière. Sabali, Koulibaly, Kouyaté, Koulibaly, Gassama, il allonge vers l'avant, Niang qui rejoue derrière, Gassama dans la profondeur, c'est bien ce qu'il fait là. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. Mais c'est facile, c'est trop facile à lire pour les défenseurs. Ça joue à la baballe, mais il m'énerve là. Bien servi. Pas de hors-jeu, il y va. Il joue sur sa gauche. Idrissa Gueye, qui a déjà pris le pas sur la défense. Baldé. Allez, rien n'est encore joué. Salif Sané. Tout en touché. Ça peut être extrêmement dangereux. Il tire. Dans la surface. Long ballon dans le sens du jeu. Le ballon dans la profondeur. Kouyaté. Mané. Il ne résiste pas au contact. L'ouverture lumineuse. Mané. Le ballon piqué sur le côté. Mané, le centre. Bien, le gardien, il capte. David Neres, il était vraiment propre ce tacle. À la régulière, il est battu, joli tacle. Il joue en profondeur. Oh, le bon ballon! Il y a danger. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. Bonne intervention. Salif Sané. Peut-être l'occasion pour Niang. Encore une récupération de balle. Neymar. Voici Roberto Firmino. Il relance côté droit. Il est tout seul. Et il cède sous la pression. Le ballon sort en touche.
C'est Baldé qui centre. La faute. Allez, on va en rester à l'avertissement verbal de la part de l'arbitre. La prochaine fois, ce sera carton. Quelle inspiration! Neymar qui est récompensé de son pressing. Alexandro. Oh, voici Philippe Coutinho. C'est joué dans l'espace. Wagner. Il peut tirer. Alexandro. Pour Fabinho. Fabinho à droite. Le ballon dans la surface. C'est repoussé. C'est un... Il prend sa chance. Ah non, ça sera au-dessus. Il ne pense qu'à tirer, comme beaucoup de footballeurs d'ailleurs. Les changements s'enchaînent, on dirait bien. Il était fini, crevé. Carbo, comme vous dites. Il fallait le sortir. Une poignée de secondes les sépare désormais d'une place en demi-finale. Kouyaté, Salif Sané. C'est bien donné, sur le côté. C'est joué long. Il est sur le côté. Et il perd l'équilibre. Il récupère le ballon. Un long ballon vers l'avant. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Il y a danger. Oh, la frappe! C'était bien joué, dommage. Et pourtant, ils avaient bien trouvé la profondeur. Quelle détente! Oh, pas de chance sur ce coup! Il y aura 2 minutes d'arrêt de jeu. Oh, voici Neymar! Il tente de la jouer dans l'espace! On s'est bien joué! Quelle occasion! Attention! Le but! Bravo! Bien joué! Placer ce ballon, tout simplement imparable. Le gardien était battu, il ne pouvait rien faire sur ce coup-là. C'est fini, ils vont quitter la compétition. La phase de poule, les huitièmes de finale, ils commençaient à rêver dans cette compétition. Elle s'arrête brutalement aujourd'hui pour eux en quart de finale. Alors dites-moi, dites-nous Darren, ce que vous avez pensé de ce match. Ah, vous le savez, on n'aime jamais se faire éliminer d'une compétition. Le plus important maintenant, c'est de voir comment ils vont rebondir. Beau match, belle soirée, belle ambiance, un beau stade.
Tout était là, Darren, pour qu'on se régale vraiment pendant cette rencontre. On se retrouve très vite. À bientôt. Merci à vous, mon cher Grégoire.